Je suis Patricia Morgante et j'aimerais responsable de la communication. Je voudrais remercier la congrégation qui a organisé ce séminaire sur les missionnaires filles de la famille de Nazareth et notamment la commission des deux unions qui ont organisé cet atelier, ce séminaire que chaque année s'organise autour de l'éducation catholique. Cette année-ci, le sujet était la transformation des écoles pour transformer le monde. Et en fait, le titre que nous avons choisi, c'est à partir de la hiérarchie à la rédarchie. Eh bien, le but de cette rencontre, c'est de permettre à tous ceux qui n'ont pas participé aux 3 journées de pouvoir quand même profiter de tout ce qui a été fait, mais notamment pouvoir se rallier à ce réseau global qui répond aussi à l'appel du pape François sur le pacte mondial pour l'intégration. Donc, je voudrais maintenant donner la bienvenue à notre frère Marc Homède, un marianiste, membre de la commission d'éducation de la WISG et de la USG, qui vient nous donner une petite allocution de bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Bon après-midi, je ne sais pas, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend d'où vous êtes. Au nom de Père Aguado, qui est le président de la commission éducation, moi, j'aimerais vous donner la bienvenue à cette session interactive que je nomme comme ça, à la fin de notre dernière réunion. Il y a quelques jours, nous avons vécu une expérience de pouvoir participer à notre séminaire qui a attiré notre attention pour continuer à poursuivre et mettre en place l'appel du pape François, c'est-à-dire de accueillir le pacte global, le pacte mondial pour l'éducation. Si vous vous souvenez, l'éducation avec sœur Montserrat et avec sœur Nouria, la méthodologie qui a été choisie est celle de poursuivre dans la construction de ce que le pape nous a demandé de faire, c'est-à-dire promouvoir la formation des jeunes et des enfants pour promouvoir leur transformation ainsi que la transformation de la société. En tant qu'éducateur et en tant qu'éducateur catholique, c'est important. Nous devons quand même nous doter de méthodologies modernes pour pouvoir avoir un impact et aussi pouvoir apprendre la leçon. Les principes, donc les 7 principes, qui caractérise le pacte mondial pour l'éducation ont été abordés. Et les éducateurs ont été invités dans les différents groupes de réfléchir sur les meilleures pratiques des différentes institutions et pouvoir proposer des idées créatives sur les nouveautés, ceux qui pourraient être nouveaux dans notre domaine. Il y a toute une série d'éléments clés qui ont été le résultat. C'est qu'aucune congrégation, aucun institut peut le faire individuellement. Cela exige une collaboration en réseau comme éducateur catholique pour mettre en place et pour réaliser le message du pape, c'est-à-dire en particulier de l'Église, l'Église Notre Mère. Ce séminaire, personnellement, n'est pas la fin, mais c'est plutôt un appel. Parce qu'il est terminé avec un appel, c'est-à-dire de pouvoir vraiment poursuivre dans la recherche, comme les objectifs aussi l'ont bien défini, c'est-à-dire essayer de d'abord écouter,
de manière attentive. Et cet après-midi, aujourd'hui, nous voulons faire exactement la chose. Le séminaire a été une occasion de dialogue pour promouvoir une innovation systématique dans la mise en place et la réalisation. Et nous appelle aussi à former et à établir un réseau qui puisse promouvoir le pacte mondial pour l'éducation. Et je voudrais remercier la WISC et la USG pour nous offrir toutes les possibilités, en particulier celle d'aujourd'hui, comme suivi pour poursuivre le travail du séminaire. Je vous donne la bienvenue et j'invite tous les participants à ce webinaire d'écouter, écouter et surtout aller de l'avant et poursuivre dans le débat. À niveau, disons, des institutionnels, pour pouvoir agir et pour pouvoir établir un environnement qui puisse avoir un impact sur la vie des enfants. Je vous donne la bienvenue à cette rencontre et je suis certain qu'ensemble, nous allons le faire. Donc, allons-y. Merci beaucoup et je m'excuse parce qu'il est de la congrégation Mariste. Évidemment, l'éducation n'est pas du tout une tâche personnelle ni d'une seule congrégation, mais c'est plutôt une tâche commune en tant que de la vie religieuse des femmes et des hommes religieux. Et surtout que l'éducation est une force motrice qui peut promouvoir le changement. Donc, merci encore une fois. Je vous remercie de tout cœur. Permettez-moi de vous offrir quelques données du séminaire de cette année-ci. Il y a eu 500 participants provenant du monde entier, représentant de 86 congrégations différentes, appartenant à 73 pays différents. Je pense qu'ainsi faisant, nous sommes vraiment en train de construire, merci, enfin, grâce au COVID, pour une fois, une communauté globale. Car je dirais que si vous vous souvenez bien, l'année passée, on a eu 800 personnes en ligne où l'on a parlé du pacte mondial pour l'éducation en utilisant la méthodologie de l'enquête appréciative. Donc, je pense qu'ainsi faisant, nous sommes vraiment en train de construire une communauté globale. Voilà, maintenant, je dirais vraiment de donner le feu vert, donc démarrer avec le dialogue. Et j'invite deux membres de la congrégation qui ont organisé, qui ont quand même rêvé depuis 2 ans au moins, ou peut-être un peu plus, ce séminaire. Ces deux sœurs, les missionnaires, les filles de la famille de Nazareth, sœur Montserrat Del Pozzo, qui est la supérieure générale, et la sœur Nuria Miro, qui se trouve de l'autre coin du monde. Elle se trouve en Australie. Merci beaucoup pour leur participation et la bienvenue aux deux sœurs. Merci beaucoup. Moi, je pense que la toute première question qui pourrait un peu nous aider à vraiment entrer. Quelle est la raison d'organiser un séminaire avec ce thème? Quels sont les objectifs? Pensez-vous que les objectifs auxquels vous avez pensé ont été atteints? À toi la parole, sœur Mansara. Quand on nous a annoncé ce séminaire avec le sujet du pacte mondial, on était quand même un peu préoccupés parce qu'il y a eu une telle variété, une telle multitude de livres, de documents et de rapports, toute une série de choses importantes qui ont fort aidé les congrégations. Nous avons pensé que peut-être ceux qui pouvaient nous aider un peu étaient l'expérience directe de ce qui a été organisé et notamment être capable de réfléchir ensemble autour des questions les plus importantes, c'est-à-dire comment pouvons-nous améliorer? Non. C'est-à-dire comment le mettre en pratique. Et quand vous lisez les évaluations des participants, j'ai quand même
l'impression que un peu, on se sent un peu dans un nuage. Quand on utilise le mot inspiration, ça veut dire que ça produit une responsabilité, une prise de responsabilité, être conscient du travail qu'il faut faire dans les établissements scolaires, dans les collèges. Il faut continuer à rêver. Et je pense que c'était un peu comme la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre possibilité d'avoir contribué. Eh bien, c'est des objectifs que peut-être peuvent se développer davantage. J'aimerais également rajouter que on a été consciente surtout de la valeur de transformation de l'éducation catholique dans le monde et surtout comment le concept du pacte éducatif global peut nous aider aujourd'hui, confrontés à la réalité contemporaine et être des agents de transformation. Je pense que c'est certainement ça. C'est une prise de conscience, ce qui a aussi réveillé un enthousiasme pour être nous les agents de la transformation. Je dirais que également que l'éducation catholique a son mot à dire dans le monde actuel, que ce soit à partir du monde religieux. C'est aussi un mot et aussi espérance, ce qui donne beaucoup d'encouragement aussi à la participation et à l'engagement des laïcs. Donc, je dirais que c'était un peu un moment de écho en disant oui, l'éducation catholique, oui, le pacte, oui, ouvrir d'autres horizons, oui, voilà, nous y sommes. Merci beaucoup. Et moi, je pense que pour vous, c'était un peu partager ce que vous vivez déjà, ce que vous pouvez déjà vivre dans le monde avec d'autres congrégations. Enfin, si je voulais quand même faire référence à quelques mots, je dirais transformation et levure. Alors, je ne sais pas les autres, mais peut-être le langage est tout aussi important. Permettez-moi d'aller un peu approfondir ce sujet et avant, peut-être Nouria peut nous parler. Quand on a utilisé ce titre, donc la hiérarchie, on connaît bien le mot hiérarchie à la rédarchie. Nouria, est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre? Moi, je dirais que ça nous a donné beaucoup de force, notamment le troisième jour, et on a pu évaluer, et toutes ces évaluations nous sont bien expliquées la signification de la hiérarchie, c'est-à-dire une nouvelle manière de nous organiser. Ça veut dire que nous sommes tous ensemble, une plus grande créativité. Et en fait, la hiérarchie nous permet d'être bien plus créatifs. Qui inclut aussi l'expérimentation. Mais il faut aussi avoir des lieux de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas non plus penser que la hiérarchie qui existe, même chez nous, nos congrégations sont des structures hiérarchiques. Eh bien, la rédarchie prévoit un espace différent, plus ouvert, plus agile, plus flexible vis-à-vis de l'avenir et en proche de la situation. Car souvent, nous devons aussi penser que nous avons besoin également de structures stratégiques, structures qui existent depuis déjà pas mal d'années. Alors, il y a un mot important, c'était l'intelligence collective.
C'est-à-dire, si nous sommes ouverts, nous pouvons dire ce que nous pensons et nous avons tous la possibilité d'intervenir et d'exprimer notre opinion. Ça nous permettra de développer ces réseaux qui seront beaucoup plus fortes et puissantes de ce que et qui pourront arriver bien plus loin. L'éducation est un système vivant et un système complexe, c'est un système qui exige et qui a besoin et de connaître l'opinion et d'englober l'opinion des autres. Et étant un système vivant, exige aussi la participation. Et je dirais que un mot important, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire que tout le monde doit et peut participer et que le dialogue est là, est ouvert. Et un autre mot serait peut-être les valeurs, partager les valeurs et en fait, promouvoir et faire le bien commun. Donc, chercher le bien pour faire du bien. Et là, j'aimerais aussi, je dirais que la hiérarchie existe quand il y a beaucoup d'incertitudes et on ne peut pas toujours contrôler l'incertitude. La seule chose que nous pouvons faire, c'est avoir confiance, offrir la confiance et permettre aux personnes de dire ce n'est pas une confiance aveugle parce que nous avons eu la possibilité avoir la capacité de voir, de comprendre. C'est un quelque chose de fondamental, en fait, surtout de pouvoir, en pensant également, si vous voulez. C'est un quelque chose de positif. Donc, c'est les personnes c'est la personne qui sont au centre. Et évidemment, c'est les personnes qui doivent être au centre. Et en fait, nous aide beaucoup. Surtout, ça nous aide beaucoup. Quand vous participez, quand vous sentez que c'est le vôtre, il y a un bien plus grand, plus fluide. C'est différentes manières de voir les choses. Je dirais que le contrôle est aussi source de usure. Il y a une usure physique et non seulement physique. Je dirais que là, on est dans un domaine d'un plus grand enthousiasme. Faire des choses qui nous permettent que, en fait, on ne pouvait pas imaginer avant, je dirais. C'est-à-dire que moi, je pense et toi, tu réalises. C'est-à-dire, on collabore de cette manière, on simplifie. Parce qu'on est vraiment un peu l'esprit et le bras. Donc, en collaborant, chacun a son rôle, chacun remplit son rôle. Ça va produire le mot réseau, ça va certainement nous aider. Et je dirais que il faut que c'est un monde fraternel, qui est précisément dans l'esprit de pape François et que le pape nous demande. Oui, absolument. On est vraiment très contente de pouvoir appartenir et aussi nous aborder l'avenir. Je pense que nous avons beaucoup de confiance quand on pense à l'avenir et je dirais. Je pense un peu à la Palma. Vous voyez un peu le volcan. Vous avez vu la situation. C'est important, je dirais. Je pense aussi à la confiance du groupe. Et c'est certainement
comme le synode, non? Le pape nous le dit toujours. C'est la synodalité qui est importante. Moi, je pourrais vous écouter pendant des heures. Et je dirais le pacte Laudato si. Mais j'ai quand même une question que j'aimerais diriger à aux deux. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que que devons-nous changer, en fait, dans la vie religieuse, dans la vie catholique, surtout, pour que l'avenir puisse avoir vraiment ce genre de goût. Mais moi, je ne vais pas dire mon âge, parce que pour moi aussi, c'est un modèle différent, mais je le dirais avec un mot un peu différent. Je suis davantage plus convaincue. C'est l'humilité. Il faut être humble, il faut être disponible et il faut vraiment apprendre. Donc l'humilité, c'est vraiment une des vertus sur lesquelles il faut absolument travailler. Je ne sais pas si nous pouvons, il faut absolument penser. Quand vous avez bien compris, eh bien, il faut essayer d'organiser les groupes pour que cette cohésion soit vraiment réelle. C'est à partir du cœur qu'il faut. Et cela exige une participation. Si vous ne partagez pas la vie, il n'y a pas de situation. Donc là, je dirais que il faut avoir une vision bien claire, préserver, disons, l'avenir aussi. C'est une vision importante. C'est pas comme les tableaux de Caravaggio. Oui, un peu. Il y a quelque chose de beau, mais c'est ce que l'on communique. C'est l'institution, le groupe, l'intelligence collective. Et donc, quand on parle de leadership, on a parlé surtout de leader un peu comme un servant, quelqu'un qui est là pour servir. Quand on est responsable, c'est pour être au service. Je dirais que l'attention, c'est vis-à-vis des personnes. Je dirais que notamment, à partir de personnes, c'est à partir des documents que vous dirigez. Ce n'est pas seulement les personnes, mais il faut apprendre. Il faut apprendre et savoir ce que, ensemble avec les personnes, il faut savoir aborder l'avenir. Je pense également que nous sommes appelés à regarder cela avec sous une manière différente, un peu comme si l'on devait penser à ce rôle. Car l'esprit devrait pouvoir intervenir. On ne peut pas penser que tout est en fait sous contrôle. Ce n'est pas raisonnable. Il faut laisser aller pour que l'esprit puisse intervenir, permettant que les autres puissent également contribuer. Quand vous faites vous expérimentez, là, vous faites une... Une fois que nous pouvons comprendre,
C'est un quelque chose qu'il faut. Il y a de la vie. Il faut être conscient que c'est pas quelque chose qui nous permet de savoir précisément quelle est la destination. Mais surtout, impliquer tous ceux qui participent. Les personnes aiment beaucoup cela. Il n'y a personne qui veut tout simplement obéir. Il faut mettre les personnes au centre. Et donc, chacun doit contribuer. Et donc, si nous pouvons former les personnes pour que les personnes puissent effectivement développer tout cela et le faire avec créativité. Alors évidemment, tous les leaders doivent être leaders. Donc, on ne peut pas dire le responsable, la responsable. C'est un peu comme si on était né et on avait été nommé par Dieu. On n'a pas ce genre de rôle divin. Tout le monde est un peu responsable dans son propre domaine et surtout dans les rôles que nous devons remplir et intervenir surtout dans d'autres domaines où il y a d'autres leaders. Moi, j'aime pas tellement le mot leader ou responsable. C'est plutôt agent de changement que je préfère comme mot. Agent de changement, j'aime beaucoup cette définition parce que vous pouvez changer, mais vous changez en collaboration avec les autres. Et ça produit aussi de la vie et aussi de la sève nouvelle. On est un peu comme les plantes. Donc les plantes aussi produisent régulièrement de l'énergie et de la vie. On peut dire que les fleurs sont magnifiques, non? Les deux fleurs sont très belles. Par exemple, on dit l'anthurium, non, qui est une très belle fleur. Mais honnêtement, les fleurs sont toutes belles, chacune avec ses qualités. Donc, un leader qui est capable d'écouter. Et certainement, qui offre la possibilité d'écouter l'autre. Surtout développer des agendas d'apprentissage, donc la capacité d'écouter, laisser changer les plans. Ce qui ne signifie pas que chaque fois c'est un chaotique, ce n'est pas un travail que l'on fait de manière tout à fait irrégulière, ce n'est pas des chemins qui sont fermés. Que les autres puissent alors en fait ces systèmes-là, ces écosystèmes de confiance, c'est ça l'important. Moi, je pense que ce modèle éducatif que l'on présente ne doit pas forcément être nouveau, mais il faut le mettre en place parce que c'est en principe, il est parfait. Il faut changer pour laisser de la place à d'autres leaders et à d'autres. Mais en écoutant, vous écoutant, je pense aussi à ce que nous voyons à Glasgow au cours de la réunion en cours sur le climat. Je regarde ces jeunes qui encouragent nous, les adultes, à changer, mais qui nous demandent un changement maintenant,
dans le présent. Et je pense que nous pouvons déjà témoigner du fait que nous nous sentons leaders à partir d'une situation qui est quand même difficile, parce que le changement climatique affecte tout le monde, mais certainement les jeunes vont être affectés. Donc le fait des jeunes, le jeune, c'est un quelque chose qui m'impacte beaucoup, non? C'est vrai, il y a beaucoup de mots offerts par Sœur Montserrat. La charité vient de la variété. C'est très beau cette phrase. Monotonie nous offre le contrôle, mais pas la créativité et la variété. Je pense que ce monde numérique nous encourage, nous appelle avec lumière et aussi avec des ombres, ce genre de modèle que vous partagez avec nous. Eh bien, maintenant, je voudrais vous laisser, car nous allons écouter deux personnes qui ont participé à ce séminaire. Donc, on va écouter un peu l'autre. Alors, il y a une laïque française, Aude Boguin, et puis la sœur, je m'excuse si je ne la prononce pas bien, la sœur Shone Miranda Ching, qui va par contre parler en anglais. Alors, la question que je pose aux deux. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce séminaire? Mais je dirais surtout, comment allez-vous utiliser, comment allez-vous investir ce que vous avez vécu dans votre réalité? Alors, la parole. Au de 5-6 minutes en français.
Alors, j'ai encore une question, Aude. Je m'excuse, Miranda, juste une minute encore. Alors, si, en fait, si on devait synthétiser avec un seul mot le changement, la transformation que tu as vécue au cours du séminaire, quel serait le mot choisi? Alors, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus et comment allez-vous utiliser comme sœur dans votre réalité ce que vous avez appris? Merci beaucoup pour me donner la possibilité de partager. Je suis ravie de cette possibilité de pouvoir participer à cette rencontre. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le mot construire une communauté globale pour l'éducation. Et le père a bien expliqué le mouvement, ce passage de la hiérarchie à la rédarchie. Et c'est ce qui m'a frappé le plus, car j'ai essayé de réfléchir pour comprendre comment les écoles peuvent fonctionner. En fait, si je pense un peu à cette expérience, je vois une certaine hiérarchie. Et ce séminaire a été un peu quelque chose qui m'a fort illuminée et qui m'a souligné l'importance de partir du bas, donc de partir à la base, car je me suis rendu compte que partir du bas signifie engager tout le monde. Engager tout le monde, collaboration. Et en fait, quand les personnes se rendent compte que nous cheminons ensemble, que leurs idées sont des valeurs, et c'est une participation qui va certainement nous offrir un certain succès, une possibilité. Alors, pour essayer de comprendre comment tout cela pourrait être utilisé dans ma congrégation, ce que j'aimerais beaucoup dire, c'est de le partager. De le partager. Avec les sœurs. Après avoir partagé cela, je pense que on pourrait établir des groupes pour comprendre comment développer cela, où tout le monde pourra participer. Ce qui nous permettra également d'organiser des séminaires où nous allons partager des idées et apprendre mutuellement les uns des autres, en partageant tout ce que nous faisons, pour qu'ensemble, nous puissions promouvoir une collaboration et un résultat aussi. Et dans le cadre de la collaboration, je pense que nous pourrions surtout offrir un peu du suivi à nous-mêmes, mais également à ceux que nous devons changer. Cela signifie également changer certaines choses. Et je voudrais, en fait, quand on commence, et quand cela se fera à partir de notre collaboration, et probablement, on pourrait aussi voir les autres comme des partenaires plutôt que des agents de compétition. Donc, pour éviter une forme de compétition, mais plutôt promouvoir une collaboration. Merci, Sœur Miranda. Mais j'ai encore une petite question pour vous. À partir de votre perspective, donc d'après vous, quelle pourrait être l'idée? Comment pensez-vous que l'on pourrait améliorer? Vous venez de quel pays? Cameroun. Ah, voilà. Est-ce que ma question est claire ou non?
Ah oui. Moi, je pense que je considère un peu les institutions. Mais quand une fois qu'elles sont nommées, on a l'impression, disons, ah, mais je connais tout, moi, je ne dois rien apprendre, c'est les autres qui doivent apprendre. Moi, je pense qu'il y a une certaine résistance. Les personnes pourraient dire, vous interférez là avec mes tâches, avec mes rôles. Et il pourrait y avoir une certaine résistance. Conscient également qu'au Cameroun, y a une crise en cours. Quand on parle du réseautage, ce n'est pas facile, c'est un véritable défi parce que déjà, traverser le pays ou passer d'un coin à l'autre n'est pas facile et pouvoir être en contact à travers les médias, ce n'est pas facile non plus. Il y a quand même toute une série de défis et de situations qui ne permettent pas de contacter, donc qui ne permettent pas le contact. Et donc là, c'est également un défi pour nous. Merci, merci Aude, merci Sœur Miranda. Et je pense là qu'en vous écoutant, c'était une expérience sincèrement très, très utile et très intéressante. Bien que ça, c'est vraiment le moment de travailler beaucoup, je dirais, mais avant de penser à redonner la parole à Monse, à Nouria. Je voudrais donner la parole à Monica Horsch, qui est une sœur des missionnaires de la famille sacrée de Nazareth. Monica, maintenant, va nous aider brièvement à mieux comprendre la page web qui a été créée. Mais déjà, comment l'utiliser? Merci. Alors, le but, c'est celui. C'est en fait accompagner le processus de transformation. Et surtout de travailler en réseau et aider les participants pour qu'ils pouvaient se préparer à ce séminaire et qu'au cours, l'on pouvait avoir de l'espace pour partager et pour faire le travail. Alors, mais le but, c'est un quelque chose qui doit se faire maintenant, car la page web doit nous servir maintenant pour que les participants au séminaire. Et puis, toute autre congrégation ou collège ou autre puisse, en fait, reproduire cela et le faire dans leur réalité. Raison pour laquelle nous avons fait cela dans les 5 langues. Le matériel a été traduit, vous l'avez déjà dans les différentes langues. Et la partie principale sont les trois journées, les thèmes, temps de réfléchir, le temps disons, du pacte global. Et chaque jour, si on considère le travail de chaque jour, on a essayé de nous donner, de comprendre quel était l'objectif, ainsi que la synthèse du travail en groupe. Et je pense là, quand on refait cette dynamique, nous avons également la possibilité de décharger et faire le même travail. Donc, le premier jour, nous avons quand même pensé au collège, aux institutions, à la lumière des co différents compromis. Nous avons donc, il y a les nouvelles idées que les participants ont développé.
Eh bien, nous avons également une série d'exemples de pratiques. Il y en a beaucoup d'expériences différentes des différents collèges autour de la transformation qui a été réalisée à partir de la réflexion. C'est ce que nous avons disponible pour tous les jours. Chaque jour, un niveau de changement. Le deuxième jour, ce serait par exemple une dynamique qui nous permettrait de voir le changement. Donc, on a aussi le travail qui a été fait dans les groupes ainsi que des exemples, des différentes visions qui sont reflétées dans les groupes. Et puis, le lendemain, le deuxième jour, le changement et puis la dynamique. Voilà, ça c'est en fait quelque chose qui nous permettrait de développer cette dynamique. Mais nous avons aussi des ressources que nous pouvons utiliser pour nous enrichir. Et là, tout ce qui a à voir avec le pacte, la réflexion, les objectifs de développement et durable, mais notamment, je voudrais souligner ce paragraphe en particulier. C'est Sœur Montserrat qui en a fait référence ici. Et il y a 5 petites courtes conférences où l'on présente les transformations plus en détail avec des exemples et qui contiennent également les 5 langues du séminaire. Donc voilà, c'est des ressources qui sont disponibles, qui ont à voir avec le pacte et avec la transformation. Et si vous voulez, dans les ressources, tout ce qui contient tout le document, il y a les vidéos, les enregistrements des conférences. Je pense aussi à la présentation du dernier jour. Puis, Sœur Nouria sur les changements, la présentation de Montserrat sur la transformation. Voilà, c'est les 3 jours du travail en séminaire. Comme ressource, nous avons aussi une vidéo qui nous permet de voir ce que nous voulons faire. Et c'est-à-dire ce qui a été en fait demandé. C'était en espagnol, mais en fait, vous l'avez disponible dans les autres langues également. Quels sont les éléments plus importants? Comment résumer cela qui a été transformé au cours de l'innovation durable dont on parle beaucoup? Nous avons une page web pour faire cette réflexion, ainsi que ce processus de changement. Et peut-être nous pouvons aussi rajouter d'autres éléments et établir un réseau. Merci, Monica. Alors, si quelqu'un veut éventuellement partager les bonnes pratiques, où est-ce qu'on peut le faire? Avez-vous une adresse mail pour envoyer cela? Éventuellement, est-ce que vous pouvez le mettre? Vous ne pouvez pas peut-être le faire directement, mais si vous le faites avec une adresse électronique, vous pouvez partager. Merci. Parce que le travail est exceptionnel, c'est un grand travail. Le travail maintenant commence, ce n'est pas seulement au cours de 3 jours, c'est ouvert à tout le monde, surtout à ceux qui n'ont participé. Alors, Alessandra nous demande si vous pouvez éventuellement mettre ici un lien. Les personnes entrent toujours, tous les jours. Il y a 900 par jour de personnes qui visitent, mais les unes et les autres
essaye toujours de voir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attention. Merci aussi pour ce modèle de travail que vous avez partagé avec nous. Donc, ce n'est pas uniquement le séminaire, mais c'est également offrir des outils pour pouvoir poursuivre avec le dialogue et la réflexion. Et je dirais que c'est pour le partager avec les congrégations, avec les laïcs qui travaillent avec nous. Je dirais maintenant de revenir ici. J'invite tout le monde participante de placer des questions dans la chat, dans la discussion. Moi, j'ai beaucoup de questions pour Mansé et pour Nouria, mais j'aimerais beaucoup reprendre quelque chose qui a été mentionné dans la discussion. Nora nous demande, comment pouvons-nous établir un équilibre entre le chaos et un abus de contrôle? Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est un quelque chose que Aude a souligné également, c'est-à-dire comment pouvons-nous poursuivre dans la construction de ces réseaux au bout de 3 jours? C'est-à-dire, c'est magnifique tout ce que nous avons fait, on se revoit aujourd'hui, mais à partir de 2 heures et demie, enfin l'heure à la fin de la réunion de ce séminaire, comment est-ce que nous allons aller de l'avant avec ce qui est l'appel du pape. Voilà, je vous laisse avec cette question. Eh bien, comment est-ce qu'on peut récupérer un équilibre? Il faut déjà qu'il y ait un équilibre. Alors, si vous êtes dans une situation de chaotique, si vous êtes, on se trouve vraiment au milieu de la mer, avec, si vous voyez une tempête, comment est-ce qu'on peut imposer que la mer se calme en n'étant pas le Seigneur, évidemment. Il faut survivre, il faut résister là, au milieu de la tempête, si vous vous trouvez vraiment au milieu de l'océan. Comment pouvons-nous faire en sorte que cette situation de tempête ou de chaos nous permette cependant de réfléchir et d'agir? Donc, il faut faire avec si vous vous trouvez dans une situation pareille et on ne peut pas la modifier. Alors, quand je dis le chaos, je pense à l'incertitude, je pense à l'inconnu, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne pouvez pas prévoir. C'est la manque de sécurité qui peut nous faire sentir et vivre dans une situation de déséquilibre. Et le déséquilibre ou le chaos peut nous faire sentir incertain. Non, un certain. Parce que vous n'arrivez pas vraiment à le contrôler. Comme on peut, on est incapable de comprendre dans quelle direction le tout va. Donc, il ne faut pas centrer toutes les énergies et destiner toutes vos énergies à essayer de rétablir un équilibre dans une situation où l'équilibre ne peut pas se produire. Donc, il faut utiliser et la capacité de discernement, pour que, au milieu d'une situation chaotique, l'on puisse repérer des moyens, des forces pour survivre, et surtout pour éviter que le chaos personnel ne se traduise pas dans un chaos institutionnel. Donc, essayer de endiguer. Moi, je comprends bien, j'interprète cette question. C'est-à-dire comment établir un espace de confiance et de laisser un peu aller le contrôle. Le contrôle, c'est un peu vouloir tout contrôler. Je pense qu'il faut laisser aller. Il faut laisser aller, il faut être conscient que l'autre peut contribuer. Tout le monde peut contribuer en fait. Mais parfois, on n'est pas tout à fait persuadé. On connaît bien ces situations, ces organisations qui fleurissent rapidement. Et souvent, on est appelé
de pouvoir intervenir avec une certaine agilité, avec une certaine beauté. Mais cela n'est pas possible si, sans les autres. Si nous voulons mettre tout dans un même plan sans engager les autres. Avec cette beauté à laquelle nous sommes appelés. Alors, si vous pensez, si vous êtes une personne qui aimez, vous aimez beaucoup contrôler, laissez aller un peu, laissez un peu aller. Et pour voir ce qui se passe. Mais il ne faut jamais abandonner les personnes. Il faut permettre aux personnes de collaborer. Et il faut surtout offrir la possibilité prévoir des protocoles qui puissent encourager une participation en tant que réseau, en tant que dynamique. Je dirais, c'est quelque chose qui permet cette créativité. Parfois, au début, c'est un peu plus lent, mais si ça ne fonctionne pas, ça coûte... au début, il faut laisser aller parce que j'ai peur de laisser aller un peu le contrôle. On perd un peu le rythme, mais c'est un peu une, disons, une rue qui monte. Et pour survivre, là, il faut laisser aller. Il faut laisser aller. Moi, j'aimerais également... Quand on parle des plans stratégiques qui nous donnent une certaine, un plan stratégique, quand on a une vision sur 2 ans, 3 ans, je pense que c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus, il faut pas non plus être trop ambitieux. Essayez quand même, dans le plan stratégique, prévoir d'autres plans qui peuvent quand même contribuer. Moi, je dirais que c'est une période de très dynamique, sincèrement, mais pas tellement rassurant. Alors, comment pouvons-nous aller de l'avant? Je pense qu'on peut le faire, c'est-à-dire voler, construire l'avion au fur et à mesure que nous volons, c'est-à-dire le faire au fur et à mesure que nous faisons la même chose, c'est-à-dire en cours de route. Et comme Nouria nous dit, essayez de prévoir le plan. On vit, c'est le moment maintenant de profiter de la beauté, pas de la beauté de la peinture, mais nous sommes encore dans la phase de esquisse. Donc, nous sommes notre peinture, nous avons une idée de la peinture que nous voulons peindre et dessiner, mais on ne l'a pas encore à disposition. Nous sommes encore dans une phase de préparation. Nous sommes encore dans une phase de esquisse de la peinture. En vous écoutant, je dis que ce que Miranda nous disait tout à l'heure, je pense que c'est très important, c'est de former les leaders. C'est-à-dire former aussi des ambassadeurs, ambassadrices de la hiérarchie, car il faut prévoir un changement culturel d'envergure. Alors là, je vois une question. La sœur Kilina du Liban, vous ne la voyez pas, je vais tout simplement la lire. La sœur Nouria nous disait qu'il y a une complémentarité entre la hiérarchie et la rédarchie. Est-ce qu'on pourrait expliquer à travers des exemples, comment pouvons-nous tirer profit de ces deux modèles? Merci. Je pense que ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, j'avais un peu abordé le sujet, c'est-à-dire il faut un peu jouer avec deux agendas. Une agenda stratégique et l'agenda plus lié à la hiérarchie,
Parce qu'il faut quand même se doter d'une vision. Et c'est important de l'avoir. Donc, évidemment, la vision avec les capacités dont nous disposons, avec, en essayant d'anticiper, d'imaginer les besoins. Mais il y a aussi un point de prévision, de calcul. Et les collèges doivent organiser le tout. Il y a un élément qui a à voir avec mais je dirais, il faut également, c'est-à-dire, il faut à la fois aussi accompagner à ces éléments, cet agenda bien programmé, avec l'autre élément qui, évidemment, n'est pas programmé et que peut-être va être plus créatif, plus ouvert. Donc, il faut d'une part, comme je disais, avoir un certain plan, une certaine stratégie, et de l'autre, quand même, accueillir la diversité, ce qui est différent, l'imprévu, permettre à chacun d'exprimer ses possibilités et développer, surtout utiliser toutes ses capacités. Alors, je ne sais pas si j'ai. En fait, si vous arrivez à comprendre, j'essaie de me faire comprendre, mais c'est aussi important dans nos plans, rester ouvert. Donc, avoir comme une fenêtre ouverte pour permettre d'écouter. C'est mens hablé de la parole humilité. Donc, être ouvert, être prêt à apprendre. Donc, rester ouvert, apprendre et avoir ce que nous pouvons saisir pour continuer à construire un quelque chose que nous méconnaissons, mais que certainement nous ne pouvons pas le faire, qui fait partie de notre dimension, mais sans entrer en conflit, pas du tout. Comment est-ce que nous pouvons le résoudre? Nous pouvons le résoudre en faisant tout simplement une... On peut faire une redéfinition. Rien de décrit, tout simplement, chaque collège pourra essayer d'expérimenter cela. Chacun a un peu sa culture, son contexte. Il faut aussi un peu s'entraîner. S'entraîner pour voir un peu quelles sont ces possibilités. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Monse aimerait rajouter quelque chose. Oui, quelqu'un nous demandait s'il y avait un exemple. Oui, moi je dirais que toutes les congrégations ont fait vraiment un grand effort pour unifier les provinces. Eh bien, je dirais qu'ainsi faisant, chaque institution sait bien quel est le prix. Je dirais que la hiérarchie, c'est que bien s'il y a un provincial, s'il y a des délégations, il y a des projets qui ont une manière différente, qui ne dépendent pas, qui sont en fait, font partie du réseau. Et je pense que ça, c'est dans les congrégations. C'est pas... C'est pas le responsable qui va dire cela. C'est le réseau même et qui va là devant au nom de la congrégation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de matériel. J'ai encore quelques commentaires. Alors, je pense que ça fait un peu partie du rôle de la vie religieuse pour l'éducation catholique. Donc, à partir de l'expérience, si vous pouvez partager un peu, bon, à partir de votre expérience, le rôle de l'éducation catholique. C'est toujours moi, là. Merci beaucoup pour cette question.
et que je suis contente de pouvoir répondre. C'est-à-dire que si la vie religieuse met la mission au centre, donc évangéliser, c'est un peu la mission qu'ont les institutions. Donc l'éducation qui est pour nous, qui fait partie un peu de ce charisme, ce que vous avez dit, ce que les fondateurs ont pensé. Et je pense que nous devons penser surtout, nous devons offrir une réponse significative à notre monde aujourd'hui. Moi, je dirais que la réponse n'est pas si claire. Car il faut réinventer, il faut repenser à ceux qui participent à notre monde d'aujourd'hui. Je suis passionnée, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup notre siècle maintenant. Et je pense que c'est important de penser. Comment pouvons-nous réfléchir à cela? La dimension sociale, et je pense que le monde religieux a certainement joué un rôle important de discipline, d'enquête, et je dirais que c'est quelque chose qui est encore valable, mais certainement la dimension d'une école, qui suit un chemin qui monte vers des villes d'apprentissage, comme l'UNESCO nous dit. Moi, j'aime beaucoup dans nos fondations, on ne peut pas imaginer ou penser que nos établissements sont meilleurs ou bien que nous sommes le prototype de ceci ou de cela, mais plutôt, je dirais que ce que nous allons créer ou fonder aura certainement des répercussions d'une ville éternelle, d'une vie fraternelle, d'une vie dans laquelle l'on peut engendrer une émotion, une capacité de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Mais je pense que tout cela n'est pas un rêve. Tout cela est possible si nous le faisons ensemble. Donc, on ne peut pas dire mon collège, mon établissement, mais être éducatrice des établissements au service des autres dans tout le monde. Parfois, c'est les politiques qui nous donnent ce genre de définition ou de comment est-ce que je dirais, d'éléments qui nous caractérisent. Non, ce n'est pas nous. Nous, nous croyons beaucoup dans l'égalité d'offrir tout ce que nous pouvons à tout le monde, mais notamment en particulier aux démunis. Oui, je dirais que également la vie religieuse nous offre une grande richesse. C'est-à-dire que nous sommes présentes de partout dans le monde. Ça, c'est déjà un élément exceptionnel de la vie religieuse. Alors, dans le mot éducation, le mot universalité est vraiment notre réalité. Et je dirais que maintenant, elle est vraiment sous les phares, parce qu'on parle tout le temps de la mondialisation, l'universalité, globalité, tout ça. Donc, je dirais que ces réseaux à niveau global, transculturel, qui vont bien au-delà. Et nous, en fait, on se comprend toujours parce que nous mettons la personne au centre. Et donc, la personne est le regard vers l'autre. Le regard vers l'autre est toujours le regard de Jésus, ce qui nous permet de nous comprendre et de partout dans le monde, parce que ce n'est pas un regard individuel ou personnel plutôt. Je dirais donc que la vie religieuse, dans cette universalité, nous offre également une durabilité à ces réseaux. À part le pacte global, le pacte éducatif global, ce pacte éducatif global nous offre aussi la possibilité d'interagir, de dialoguer avec des personnes qui ont, si vous voulez, sur le plan hiérarchique, appartiennent à des provinces ou à des niveaux différents. Mais nous avons pu vraiment dialoguer sans barrière. Et ça, c'est grâce au pacte éducatif global qui nous a permis également d'établir des ponts
entre les personnes, car il y a une transversalité qui va bien au-delà. Bien au-delà des limites d'une province, de l'une ou de l'autre province. Alors, je dirais que ce point de l'universalité, il ne faut pas l'oublier. Car j'imagine que parfois, les multinationales ont un peu une envie, parce qu'elles disent, ah, mais ils ont une facilité d'être en contact de partout. Moi, je me trouve maintenant en Australie. Et je peux tranquillement aller vers une communauté aborigène, je peux participer à l'Eucharistie, mais je me sens en communion avec des personnes qui sont vraiment très différentes, qui ont une mentalité différente. Mais je dirais que c'est tellement magnifique tout cela, ce que nous pouvons vivre. Il ne faut pas vraiment oublier tout cela. Si la vie religieuse a quelque chose à nous dire, où la fraternité est une priorité. Ce que je voudrais dire, Patricia, je ne sais pas si je peux, c'est que le monde religieux, parfois, peut nous entraver. On ne peut pas non plus nous isoler. On peut pas... Nous avons besoin des laïcs. Les laïcs ont besoin de nous. Nous devons vraiment être capables de nous intégrer, de nous aider. On ne peut pas nous limiter. Personne ne peut nous limiter. Merci beaucoup pour ce commentaire qui nous donne un peu une bouffée d'air frais. Je vous remercie beaucoup, mais je voudrais aussi permettre Agatha qui nous pose une question. Elle nous dit que l'initiative, le leader, pour passer d'une hiérarchie à une rédarchie, doit partir de la base ou plutôt sur le plan plus général. Encore un dernier commentaire et puis on va commencer à fermer. Moi, je dirais que sur le plan général, oui, certainement. Mais ce n'est pas le seul mot. Il faut qu'il y ait aussi la possibilité pour les leaders de sortir d'où ils sont. Et je dirais que ils doivent être connus, reconnus du bas, un peu comme Agatha nous dit. Moi, je dirais qu'à partir de la hiérarchie, il faut pouvoir offrir un contexte. À partir de la base. Ce qui est important, c'est de nous sentir des leaders. Sentir des leaders. À partir de la base ou de la hiérarchie. Être humble, être capable d'écouter, agent de transformation, tout ce que nous avons dit. Et donc, je dirais que ces choses sont très importantes. Donc, que ce soit dans les contextes ou bien dans une certaine culture, une culture dans laquelle on puisse montrer tout cela. Ce que nous voyons ici, c'est qu'au niveau de la vie religieuse, nous devons aussi progresser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons nous poser comme questions et que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est un parcours synodal. Je voudrais remercier tout le monde pour ceux qui et celles qui ont partagé avec nous. Nouria, Montserrat, Aude, merci beaucoup. Miranda, encore un dernier mot. Sincèrement, avant de passer la parole à la sœur Elena de la commission éducation, je voudrais vous demander de nous transmettre un mot de confiance, à la limite aussi un défi, mais un défi qui soit un défi positif qui nous
nous stimule, nous motive, non pas un mot ou un défi qui nous décourage. Alors, à partir de votre perspective, lancez-nous un défi, mais un défi qui nous encourage. Voilà, je vous laisse juste quelques instants pour réfléchir et quand vous êtes prête, voilà, prenez la parole. Alors, je suis prête. Alors, la question, c'est pour encourager les personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ça, c'est un défi, mais c'est un défi qui va nous encourager, qui va nous... Je ne sais pas. Alors, on nous demandait comment pouvons-nous poursuivre, comment pouvons-nous aller de l'avant? Je dirais que à la lumière des initiatives, si vous pouvez regarder la page web et aussi en réfléchissant sur cette question, Nouria voulait répondre tomber amoureuse de la mission qui nous a été confiée. Si on tombe amoureux ou amoureuse et aimer la mission, tout suit de manière tout à fait fluide. Je vois que dans la chat, il y a beaucoup de messages d'encouragement aussi pour tous les participants et participantes. Aude, avez-vous une idée? Sœur Miranda, quel est votre mot d'espérance pour nous? Je dirais qu'il faut d'abord commencer à transformer nous-mêmes. Donc, le changement doit commencer par nous-mêmes. Conscient que nous sommes... tous responsables, tous des leaders. Et quand les autres voient l'effort que nous mettons en place, et nous pouvons être un exemple. Donc, nous devons commencer, le changement doit commencer avec nous-mêmes. Merci vraiment à beaucoup, à tout le monde pour votre participation, pour l'écoute. Maintenant, j'aimerais passer la parole à la sœur Elena Rastello, italienne. Voilà, Elena est là. Juste une minute, je vais vous présenter membre de la commission éducation. Elle est une sœur salésienne qui se trouve à Rome pour l'instant. C'était juste tout simplement une petite présentation. Merci beaucoup. Donc, en conclusion de ce moment ensemble, au nom de toute la commission éducation de la WISG et de la USG, je voudrais tout d'abord remercier. Je voudrais remercier la sœur Monse, la sœur Nouria pour leurs compétences, pour leur rêve partagé avec Monica, avec tout l'Institut des missionnaires de la Sacrée Famille de Nazareth et tout le réseau de Nazareth, donc Global Education, l'éducation globale. Je voudrais remercier la WISG, Patricia, Communication, les techniciens, tous ceux qui sont un peu derrière le rideau, mais qui nous permettent de dialoguer. Et j'aimerais aussi participer, nous, en tant que participants, participantes, nous sommes quand même nombreuses, et ensemble, et je voudrais remercier les jeunes qui habitent nos cœurs. Et je pense que nous travaillons pour les jeunes, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là maintenant, que nous
Dialoguant. C'était une très belle rencontre et une fois de plus, nous avons découvert, nous avons approfondi notre choix, le choix de vivre en communion et le choix qui caractérise notre rôle en tant qu'éducateur entraîne du temps, des ressources en termes de temps et matériel et aussi un chemin le long duquel les jeunes, les filles, les garçons ont exprimé le désir d'être engagés, de se sentir appréciés, de devenir un peu les co-protagonistes de cette hiérarchie, protagonistes pour l'humanité, mais aussi pour la mission d'éducation. Nous, ici présents, nous avons quand même compris la co-responsabilité avec les jeunes, qui est une source de joie, de créativité, d'innovation et d'espérance. Quand les jeunes sont avec nous, à nos côtés, je dirais que la hiérarchie est plus facile. Elle est plus facile à réaliser et à mettre en place. Et déjà, le fait d'être en réseau, sont des moments de vécu de la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous invite au cours de ce chemin à vivre la synodalité. C'est un mot qui revient, mais la synodalité est une réalité. La synodalité est un style de vie, un mode d'action dans nos établissements. Donc, la hiérarchie dont on a parlé aujourd'hui nous permet également de faire ressortir quelques éléments de la synodalité dans lequel nous sommes tous appelés à nous convertir, comme cela a été déjà souligné. Alors, ce pouvoir de transformation de notre éducation dans notre monde aujourd'hui nous permet de, nous le voyons davantage, une fois de plus, d'être un village. Qui éduque, un village qui éduque avec un cœur uni ou dans lequel, un village dans lequel on partage la vie et où l'on essaie de placer la personne au centre. Et quand je dis la personne, j'inclus tant les jeunes que les éducateurs avec un esprit humble, quotidien, d'apprentissage mutuel. Une fois de plus, aujourd'hui, nous avons compris que la hiérarchie est un choix de communion, mais également une stratégie. C'est ce que nous ont dit, c'est ce que Nouria nous a dit. Une stratégie finalisée à la vie de tout le monde pour que tout le monde puisse exprimer la fécondité prophétique des charismes, de nos charismes, certainement à partir des plus petits, des derniers. Cette stratégie devient ce qu'on appelle en anglais empowerment, une autonomisation. Alors, le séminaire du 21 au 28 octobre, au 25 octobre. Et puis, merci aussi au travail de l'AIEC, l'Organisation mondiale OIEC de l'éducation catholique, dont nos instituts ou congrégations sont membres, l'accompagnement qui nous est offert, le matériel, ainsi que la journée d'aujourd'hui, ne sont que des pas silencieux, fertiles ou féconds, de pouvoir développer des réseaux à tous les niveaux, non seulement entre les établissements catholiques, mais également parmi tous les centres d'éducation des différents continents. Des réseaux interculturels, interreligieuses, interreligieux, qui ont déjà mis en place le pacte éducatif global. Je pense que là, selon le désir du pape François, nous sommes en train de développer ce village collectif avec une intelligence collective qui nous permettra de réfléchir ensemble à la manière d'aborder les défis contemporains.
comme des animateurs qui sont des agents de changement. Ce défi à la crise écologique, des appauvris de la Terre. L'artisanat de la paix, en tant qu'artisan de la paix, à travers une éducation vraiment capillaire, et la beauté de la beauté de cette fraternité et sororité. Je pense que cette heure et demie est une expérience très belle et très riche de fraternité et de sororité. Merci. Merci. Elena, pour nous avoir tissé toute la richesse de cette rencontre. En lisant aussi tous les messages dans la chat, je l'ai sauvée parce qu'elle est très belle. Quelqu'un disait, mais nous vivons déjà cette expérience de hiérarchie tout en étant peut-être consciente. Je pense que cette rencontre nous a aidés. Merci, Elena, pour nous avoir rappeler le rôle des jeunes et leur protagonisme. Il suffit de nous regarder autour pour le voir. Je remercie vraiment sincèrement tout le monde pour votre participation, les sœurs des missionnaires de la famille de Nazareth qui se sont impliqués. J'aimerais remercier. Voilà, nous en tant qu'interprètes. Nous remercions à notre tour. Marie-Lou, Sylvia, moi-même. Je voudrais aussi remercier Thérèse, Sœur Thérèse et Ricardo, qui sont aussi les techniciens qui nous aident beaucoup, et Sœur Florence, qui sont toujours des agents invisibles. Vous pouvez maintenant, on ferme l'enregistrement, vous pouvez désactiver les micros pour parler, vous saluer et merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci.